Good morgen, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui le long Nishmat Richaron Ben Fortune Mazal et Claude Israël Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Beitza, Perek Aleph Mishnah Tet, Bet Shamay Omrim, En Meshalchin Beyom Tov, Ella Manot, Bet Hillel Omrim, Meshalchin Behema, Chaya Vaof, Ben Chayin Ben Shrutin, Meshalchin Yenot, Shmanim Uslatot Vikitniot, Aval Lot Evua, Rabbi Shimon Matir, Batvua. On entame dans notre Mishnah le sujet des cadeaux à Yom Tov. Notre Mishnah, et ça sera tiré encore sur la prochaine Mishnah encore, faire des cadeaux à Yom Tov, qu'est-ce qu'il est permis et qu'est-ce qu'il n'est pas permis de faire? C'est-à-dire, on explique. D'abord, on a déjà introduit plusieurs fois que à Yom Tov, on a tendance à croire qu'à Yom Tov, on a le droit d'allumer le feu, on a le droit de cuisiner, on a le droit de porter. C'est pas exact. À Yom Tov, on est imposé des 39 travaux du Shabbat. Au même titre, avec une différence essentielle, c'est qu'on a une dérogation concernant la préparation des repas, ou par extension, tout le bien-être corporel, tu auras le droit de transgresser, la Torah donne une dérogation de cuisiner, d'allumer le feu, de trier pour manger, pour les repas de Yom Tov, même de porter dans la rue les plats, ou de, pas que les plats même, on a même aussi le droit de porter des ustensiles que tu as besoin d'en tirer profit, ton livre à la bête à Knesset, tu as le droit de le faire, alors qu'à Shabbat, tu n'avais pas le droit de le faire. On a une dérogation pour tout ce qui est pour le profit de Yom Tov. Ou les Bado Yassé Lachem, mais à condition que c'est pour le profit d'un repas d'un juif, et pas de porter pour un goy, et pas de cuisiner pour un goy, par exemple. Parce que le goy, c'est pas un plat de fête, la Torah n'a pas donné de dérogation sur ça, donc on devient interdit avec toute la vigueur de l'interdit de porter, ou de cuisiner. Idem aussi si vous voulez cuisiner. À la fin du Yom Tov, pour le manger pour le soir même, vous n'avez pas le droit. Vous transgressez peut-être un interdit d'oraita, c'est une requête, c'est un peu délicat. Mais il y a un grand problème. D'accord? Ça, c'est de manière générale. Notre Mishnah, plus précisément, elle va s'intéresser à la permission d'offrir des cadeaux à Yom Tov. Ouais. Soit, ça c'est complexe et vaste dans la halakha, Siman Taf Kuf Tet Zain. Il y a notre Mishnah, la prochaine Mishnah, où c'est un peu difficile, un peu délicat de déduire exactement le fil directeur de la permission. De manière générale, si je veux faire un cadeau à mon voisin pendant Yom Tov, je suis confronté à plusieurs problèmes théoriques. D'abord, je suis en train de porter sur la voie publique. Alors, sur ça, on a la permission qui va me dire, si tu le fais pour le besoin de Yom Tov, ça deviendra permis. En l'occurrence, tout ce qui va être des plats, ça va être permis. D'après tous les avis. Si ça va être des choses qui sont consommables, mais qui a besoin de les travailler, ça va devenir un peu plus délicat, comme ce qu'on va découvrir. On va rentrer dans les problèmes. Par exemple, le cas plus violent, où il y a une marloquette violente, enfin plus nette, entre Beth Hillel et Rabbi Shimon, la fin de la Mishnah. Je veux lui envoyer de la farine. On va d'abord introduire comme ça. Il y a trois niveaux, en fait. Il y a envoyer un plat qui est directement consommable. Ça, c'est le top des tops. Tu l'envoies, c'est sûr, c'est pour manger aujourd'hui. Il ne peut même pas le garder pour demain, ça va se détériorer. Donc tu peux l'envoyer un plat. C'est le premier avis d'ailleurs, on n'a qu'à le faire dans les mots directement. Bet Shamay Omrim, En Meshalchin Beyom Tov, El Lamanot. On enverra à son voisin, son ami, pendant Yom Tov, que des manotes, des plats prêts à la consommation. Il précise le Bartenoura, Davar Mouchan Jeno Asuila Nichole Machar, quelque chose de prêt, qu'il n'est pas censé laisser jusqu'à demain. Comme des morceaux de viande, des morceaux de poisson. Même Mouchan, il insiste, ça doit être déjà cuit même, ça c'est l'avis de Bet Shamay. Bet Hillel, il va être plus permissif, il va dire, tu sais quoi, je te permets même un peu plus. Même si ça manque encore de le faire cuire, et même, ça ne va manquer même d'un animal qui est apte à faire la shrita pour le manger. Mais en théorie, si ça te prend de manger un poulet pendant Yom Tov, je peux t'envoyer un petit poulet vivant, puis tu vas le prendre, tu vas le faire la shrita, tu vas le déposer, tu vois. Et puis, tu vas le faire cuire. Donc c'est un, je peux t'envoyer, c'est un profit pour Yom Tov. On voit pas d'inconvénient à le faire. D'accord? À la différence, par contre, si je vais t'envoyer quelque chose que tu ne pourras pas le préparer, par exemple, le blé. Je t'envoie du blé pour pouvoir, avec du blé en général, on fait bien sûr de la farine, pour faire un gâteau, et puis, à Yom Tov, on n'a pas le droit de moudre le blé. On va expliquer après, plus précisément, mais en tout cas, donc le Beth Hillel va me dire, ah, tu envoies du blé pendant Yom Tov, et tu l'envoies, c'est sûrement pas pour qu'on ait profité pendant Yom Tov, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger des grains de blé, c'est un pigeon, c'est sûr que non. Donc c'est pour faire du blé, pour faire de la farine. La farine ne va pas la faire pendant Yom Tov parce qu'il n'y a pas le droit de le faire. Donc c'est pour demain que tu l'envoies. En ce moment, pendant Yom Tov, tu transportes pendant Yom Tov
pour un profit qui ne profitera que à aucun jour de chol, ce sera assur. D'accord? Plusieurs raisons à ce que c'est un interdit de porter pendant Yom Tov, ou finalement, on peut dire plus simplement, c'est le fait qu'en ce moment, tu es en train de préparer ton jour de Yom Tov, ton jour de chol de demain. C'est en soi-même. On verra plus dans la prochaine Mishnah, ce sera un peu plus nécessaire d'entrer dans exactement la définition exacte des choses. Mais de manière générale, pour le moment, c'est facile à expliquer. Tout ce que tu ne peux pas utiliser, tirer profit pendant Yom Tov, tu n'as pas le droit de l'offrir cadeau pendant Yom Tov. D'accord? Donc on fait maintenant Beth Hillel dans les mois, après on ne va pas découvrir Beth, et on va découvrir Rabbi Shimon qui est un peu plus permissif. Beth Hillel Omrim, Meshanchin Behema Chaya Ve'Off, on pourra envoyer Behema, c'est un animal domestique, Chaya qui est consommable, Chaya, un animal sauvage consommable, de nouveau, ça peut être un cerf, ou encore même Va'Off, même aussi une volaille. Ben Chayin, Ben Shrutin, qu'ils soient vivants, ou qu'ils aient déjà fait la Shrita, parce que même s'ils sont vivants, tu peux leur faire la Shrita, ils consomment aujourd'hui. Et même si finalement je sais que tu ne vas pas te mettre à faire la shrita pour aujourd'hui, mais puisqu'en théorie c'est quelque chose de consommable pour aujourd'hui tu as un profit direct que je te fais un cadeau pendant Yom Tov, j'ai le droit de porter pour en faire ça, même si je ne suis pas sûr que tu vas faire la shrita pour aujourd'hui, je tire profit aujourd'hui de ça. D'accord? Mais Shalchin Yenot, tu pourras envoyer du vin, Shmanim, de l'huile, Slatot, des semoules, des Kitniot et aussi des légumineuses. Même si avoir enlever les écorces, par exemple, les sortir, mais c'est encore consommable pendant Yom Tov. Par contre, avoir l'eau tvoua, mais tu ne vas pas lui envoyer de la tvoua, des céréales. Parce que là, les céréales, il n'a rien à faire, il devrait les moudre. Pourquoi s'interdit de moudre en grande quantité pendant Yom Tov? C'est délicat. Le Barthénoï rapporte le fait qu'on n'a pas le droit de moudre pendant Yom Tov, pourquoi pas? On a vu qu'on peut quand même moudre. En fait, parce que l'usage de moudre le blé, on utilise le gros moulin. Le gros moulin, on ne l'utilise pas pour des petites quantités. Donc, quand tu te mets à moudre pendant Yom Tov, on suppose que tu vas moudre une grosse quantité pour toute la semaine. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser le gros moulin classique pendant Yom Tov. De ce fait, là, les céréales, on ne les voit pas comme des choses qui sont aptes à être consommées pendant Yom Tov. De ce fait, tu pourras en faire cadeau. Et sur ça vient Rabbi Shimon et va me dire, Rabbi Shimon m'attire, va te voir, Rabbi Shimon permet, avec la tvoua, hein, les céréales, de les faire cadeau, parce que finalement tu prends toujours aussi les moudre avec chinouille, tu prends une petite quantité, tu l'écrases avec un petit pilon, le faire proprement et l'utiliser, c'est encore consommable, donc je vois que tu fais un cadeau pour Yom Tov et pas forcément pour Chol, dans ce que je suis en train de t'envoyer en cadeau. Autre petite précision aussi, lorsqu'on fait des cadeaux, il rapporte le Barthénoï, il synthétise l'Agma en fait, que tu peux l'envoyer avec une personne, deux personnes, mais pas trois personnes. Genre, le gros cadeau à la Yaakov qui envoie le cadeau à Essav avec plein de shlichim, plein d'envoyés. Là, tu n'auras pas le droit de le faire pendant Yom Tov, tu envoies juste un ou deux, mais pas plein de shlichim, parce qu'après on a l'impression que tu es en train de faire du commerce, tu envoies tes démarcheurs chez la personne d'en face pour lui faire des. Lui proposer la marchandise, ça prend trop une allure commerciale, ça deviendra interdit, d'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, Kol Tov, Salam.